Bienvenue dans le monde de l'inclusion. Je suis inclusif, tu es inclusif, Yel est inclusif. Je crois que vous avez compris de quoi je veux parler. De quoi que je veux dire. Polémique autour de l'écriture inclusive dans l'Union européenne. Eh oui, ça, c'est loin d'être fini. La discussion ou le débat est loin d'être finite. Il y a plusieurs semaines déjà, la Commission européenne a publié un guide recommandant aux représentants européens d'utiliser davantage l'écriture et le langage dit inclusif, afin de n'exclure personne au sein des institutions. Donc il y a des phrases à bannir. Un exemple parmi tant d'autres a particulièrement ébranlé les élus. Le guide les invite effectivement à bannir l'élément de langage « Mesdames, Messieurs, Joyeux Noël ». Voilà. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on en est là. On en est à interdire aux gens de dire « Mesdames, Messieurs, Joyeux Noël ». Et pourquoi donc ? Eh bien, je vais vous répondre. Car d'après la Commission, c'est une phrase excluant tant les personnes non genrées que les citoyens ne se sentant pas concernés par les fêtes chrétiennes. Wow ! Donc à vouloir tout faire pour éviter d'exclure n'importe qui, on se retrouve à ne plus pouvoir rien faire. C'est une logique intéressante. Je pensais sincèrement que Noël, c'était la fête de l'amour et que le bonheur et qu'on était censé s'aimer les uns les autres. Mais apparemment, non, c'est interdit de faire la fête et de s'aimer. Alors, face à la vague d'indignation créée par le guide, on en arrive. Imaginez, c'est notre argent. Notre argent, les fonds européens partent dans l'impression et l'édition de ces documents de propagande pour dire des conneries, en fait. La Commission européenne a tenté de faire marche arrière en vain. L'aile conservatrice des députés européens a demandé à tenir un débat et Asita Kanko, députée européenne, NVA, parti nationaliste flamand, s'inquiète à propos de ce rapport pour deux raisons. D'un côté, elle estime que la Commission devait avoir du temps à perdre pour le rédiger. C'est un peu vrai. Et d'un autre, le rapport illustre à ses yeux le non-respect des rédacteurs envers l'héritage historique et culturel judéo-chrétien de l'Europe. Alors, c'est pas faux. Encore une fois, c'est une histoire de civilisation, c'est-à-dire que en Europe, on vit dans des pays. Nous sommes des nations qui se sont construites historiquement sur la base d'un héritage judéo-chrétien. Et toute forme de religion qui gravite autour de ces religions-là. C'est une sorte de tronc commun. Donc pourquoi chercher à le renier ? Et ça fait peur quand on, notamment avec le wokisme et tout ça, ça me fait peur, quand on essaye de remettre en question tout ça, parce qu'en fait, c'est quelque part, c'est renier notre passé, l'histoire de la Terre sur laquelle on vit. C'est renier un peu toutes nos origines et renier les bases sur lesquelles on s'est construit, que l'on soit croyant ou non. Qu'est-ce que vous feriez si j'arrivais comme ça du jour au lendemain, je venais taper à votre porte et je vous disais « Je suis désolé, mais tout ce que t'as vécu depuis que t'es né, c'est de la merde. » On peut pas détruire comme ça tout le passé d'une personne, enfin, son expérience personnelle. C'est son propre patrimoine, c'est son propre capital. Par contre, enfin, ce qui me fait peur, c'est que comparativement à d'autres pays, avec des religions beaucoup plus fortes, beaucoup plus présentes, pas forcément forte, c'est pas forcément le bon adjectif, ben ce sont des pays où eux, ils se posent même pas la question. En fait, de toute façon, toutes les civilisations se sont construites sur la base d'une religion. Parce qu'au départ, la religion était censée être un point commun, était censée réunir les hommes et essayer de faire tendre toute une population vers un objectif commun, qui est, entre guillemets, qui était la paix ou... Enfin, empiriquement, de manière théorique. Mais ça n'a pas empêché les guerres de religion et ça n'a pas empêché les différents responsables religieux d'encourager, d'inviter à mener des conflits pour défendre leurs idéaux. Mais c'est une autre histoire. Pourquoi nous, en tant qu'occidentaux, en tant qu'Européens, se tirer systématiquement une balle dans le pied, se couper un membre volontairement ou je ne sais quoi d'autre pour s'affaiblir toujours plus par rapport à d'autres pays
qui, eux, sont suffisamment intelligents pour continuer à développer leur propre façon de faire, à rester droit dans leurs bottes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'imposer par rapport à tous les pays européens. Nous, les pays, j'ai l'impression que les pays européens n'arrêtent pas de s'affaiblir avec le temps, parce que systématiquement, on essaye de détruire toutes nos convictions, toutes nos bases solides. C'est vraiment problématique, parce que tout ça, ça contribue à affaiblir le pays au niveau économique, au niveau culturel. Et c'est ce qui amène à des situations complètement aberrantes comme aujourd'hui, où les gens, des illuminés ou je ne sais pas, des gens qui sont vraiment obtus, en arrivent au point où en fait, ils en sont au point de renier le terme de Noël ou des choses comme ça. Mais à ce moment-là, si on supprime Noël, on supprime les vacances de Noël. On est dans la totale incohérence. Deus vult, oui, Dieu le veut. Alors évidemment, la gauche plus modérée, la gauche qui, objectivement, hein, mais même si tous les partis l'ont fait depuis 20-30 ans, la gauche a quand même bien contribué à détruire toutes ces notions, toutes ces valeurs dans notre société. À l'opposé de l'échiquier politique, les réactions sont plus tempérées. Les élus de gauche voient en cette demande de débat une tactique de la part des conservateurs pour obtenir une tribune. Cependant, ils considèrent également que supprimer ces éléments de langage serait infructueux. Maria Arena, ça fait un peu nom de chanteuse, députée européenne, Parti socialiste belge, juge nécessaire d'avoir un débat sur l'inclusion, mais que remplacer mesdames, messieurs par chers collègues reviendrait à invisibiliser les femmes et donc à créer d'autant plus d'exclusion. Voilà, on en arrive à ça, voilà. Si on ne parle plus de mesdames et messieurs, ben en fait on exclut tout le monde. Et à ce moment-là, pourquoi, quand on dit mesdames, messieurs, pourquoi on ne dit pas, on ne dit pas un mot gentil pour les nains aussi? Pour les personnes handicapées, et les trisomiques, puisque Orelsan aussi, les paroles de son dernier album, de sa chanson, ont créé une polémique parce qu'il utilise le terme mongol dans sa chanson. Enfin voilà, on ne peut plus utiliser le moindre mot. Donc si on ne peut plus dire madame, monsieur, ça devient vraiment problématique. On marche sur la tête en fait. C'est quoi la différence entre la gauche et la droite en fait? Je ne sais pas qui est qui et où. C'est vrai que t'as pas tort. D'un côté, ils ont en commun que c'est des tocards, donc. Et aussi, ils ont en commun que c'est beaucoup d'escrocs. Ils savent tous mentir, ça, ils savent le faire. La gauche européenne veut un débat sur l'inclusivité. Moi, je pense qu'en fait, il y a même pas de débat à avoir. Je ne comprends même pas qu'on perde du temps, qu'on accorde du temps sur ces choses-là, en fait. Parce que c'est un non-sens. Mais du coup, quand tu fais une phrase avec le nouveau pronom, on met quelle terminaison aux phrases? On les met au féminin ou au masculin? Alors ça, c'est une question à faire bugger la matrice. Alors s'il te plaît, ne pose pas trop de questions comme ça, The Voltechman, parce que j'ai peur que tu fasses planter le live, d'accord? Déjà que c'est compliqué, mais n'en rajoute pas. Donc, c'est pas la question. Bah, tu as droit d'être né à bout de bois. Enfin, voilà, enfin. Ou tronc d'arbre. Ou, comment dire, être tu es né une chaise. Mais à ce moment-là, tu n'as pas droit à la parole si tu es une chaise. Enfin, je suis désolé, il faut assumer jusqu'au bout. Enfin, merde, alors. Même si tu es une otarie, tu ne peux pas t'exprimer. Il faut au moins s'exprimer dans la même langue. Enfin, voilà, il faut être cohérent jusqu'au bout. Ça ne veut rien dire, en fait, ça ne veut rien dire. On fait déjà de l'inclusivité. Les lois de la République, dans la Constitution, avaient déjà prévu l'inclusivité. C'était la liberté, égalité, fraternité. On essaye d'appliquer ces règles à tout le monde. Il n'y a pas à créer de règles supplémentaires ou de créer des quotas particuliers, parce que justement, dès qu'on essaye d'imposer des contraintes qui peuvent être des quotas ou d'imposer des normes, etc., bah du coup, on crée un déséquilibre. On crée une inégalité derrière. La vie est déjà assez compliquée comme ça, mais... Merci de ne pas en rajouter, quoi. Ils devraient se concentrer sur des choses plus importantes. Effectivement, ils ont tellement d'argent, mais dépenser l'argent ailleurs, putain. Il y a tellement de gens qui vivent, qui dorment dans la rue, même cet hiver. Putain, il y a plein de choses à faire. Arrêtez de perdre du temps sur est-ce qu'il faut rajouter un L à la fin de... ou EL à la fin de IL, enfin,
Vous avez déjà essayé d'écrire du texte en écriture inclusive ou de lire du texte en écriture inclusive? C'est illisible. Tu ne comprends plus rien au texte. Même déjà les textes de loi ou les réglementations, c'est déjà compliqué à comprendre quand tu les lis. Il faut quand même être instruit. Mais alors si tu rajoutes de l'écriture inclusive, mais c'est encore pire. Tu crées un mur entre les personnes qui font partie, enfin une élite, qui ont accès au savoir, à la connaissance, et une autre catégorie de personnes qui sont complètement mises de côté. Ça crée encore plus d'incompréhension. Et vous savez pas, finalement, il y a quand même beaucoup de gens encore qui sont... qui n'arrivent pas bien à écrire ou à lire, ou qui sont illettrés. Comment allez-vous leur expliquer si en plus c'est des textes avec écriture inclusive? Et il y en a encore. On pense en fait que, parce qu'aujourd'hui on est au 21e siècle, le futur, l'avenir, la matrice, et on pense que finalement tout le monde a un ordinateur chez soi, tout le monde a internet, on a tous un téléphone portable. Oui, c'est vrai. Tout le monde a accès à la connaissance, tout ça. Pas forcément. Il y a encore des gens, il y a une vraie fracture numérique, il y a une fracture aussi au niveau de la culture. Il y a plein de gens qui ont des outils numériques, comme un ordinateur ou un téléphone portable, une tablette, mais qui ne savent pas s'en servir. Ils l'ont parce qu'ils ont acheté comme tout le monde, et parce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un téléphone portable pour faire n'importe quelle démarche, ou pour être joignable. T'as besoin d'avoir aussi une adresse email, parce que les administrations demandent une adresse email. Mais malgré tout ça, bah t'as quand même des gens qui n'arrivent pas à bien lire, qui ne reconnaissent pas les mots, qui ont des difficultés pour lire, pour écrire. Il y a toujours des gens qui sont illettrés, et il y en a plus que vous ne croyez. Et faire ce projet fou d'écriture inclusive, franchement, ça n'est pas leur rendre service. Ça va les exclure encore plus. Encore une preuve que c'est totalement aberrant. Le sujet n'est pas fini hein, sur l'écriture inclusive. Pourquoi souhaiter Joyeux Noël fait polémique? C'est quand même fou, on en est arrivé à ce point. Pourquoi nous, on s'amuse à se faire violence comme ça, à s'auto-flageller, en se disant « Non, il ne faut pas dire Noël, non, il ne faut pas le Saint-Nicolas, tout ça, non, 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 ah, Satan !» Il y a un mouvement philosophique, une forme de pensée qui s'est développé depuis les années 80, où en fait on a systématiquement essayé de casser la civilisation gauloise, française, je ne sais pas, et de dénigrer tout notre patrimoine culturel en fait. Et est-ce que aux États-Unis ils critiquent Noël? Non, est-ce que vous les voyez critiquer la fête de Thanksgiving? Est-ce qu'en Israël, est-ce que vous les voyez critiquer systématiquement leur religion ou leur fête religieuse? Loin de là. Et c'est ce qui fait qu'Israël est un pays très... C'est une puissance mondiale, hein. Même si c'est un petit pays, ils sont très, très puissants. Bon, ils ont beaucoup d'argent aussi. Je n'en rajouterai pas. Les grandes puissances mondiales sont des pays qui sont restés fidèles à leurs valeurs, à leur culture. Le Japon est très religieux. Ils ont su garder, en fait, le Japon, ils sont très intelligents parce qu'ils ont su garder ce mix, cette alliance entre modernité et tradition. En France, au contraire, on essaye de détruire toutes nos traditions. Et c'est les traditions qui ont construit la France, qui ont fait chaque région de France. Et on essaye de détruire tout ça aujourd'hui. C'est le parti qui gouverne en Chine. Et par contre, c'est un peu la même doctrine, c'est-à-dire on ne touche pas, on ne remet pas en question le parti. Parce que si on remet en question le parti, c'est on détruit toute la culture chinoise et tout ce qui fait le lien entre qui tient la population en fait. Même si c'est pas tout rose, on est d'accord. Mais c'est comme ça que se sont construits les pays et qu'ils tiennent aujourd'hui. Regardez la Corée du Nord. C'est tenu d'une main ferme, d'un homme à poigne. Dans un discours prononcé dans l'hémicycle strasbourgeois, l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy a répondu à la commissaire à l'égalité qui appelait à éviter le mot Noël par souci d'inclusion.
On peut se demander avec Bernano s'il y aura encore longtemps des nuits de Noël avec leurs anges et leurs bergers pour ce monde si étranger à l'esprit d'enfance. Incroyable, mais vrai, il faut maintenant tenter de sauver Noël. Déclaré hier avec emphase au Parlement européen à Strasbourg, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, issu du Parti populaire européen. En faisant référence à un document interne de la commissaire européenne à l'égalité, Elena Dalli, qui a fait polémique fin novembre. Noël n'est pas que le prétexte des vacances d'hiver. Ça, on est d'accord. Dans ce manuel de la communication inclusive, c'est toujours le même guide dont on parle depuis le début, ça ressemble pas mal à du fascisme, si tu veux mon avis. Mais c'est tout à fait ça. Mais je dirais même, le wokisme, c'est du stalinisme moderne. On essaye d'imposer une doctrine, une façon de penser, et tous ceux qui ne pensent pas comme ça, eh bien, on essaye de les détruire, ou on ne les respecte pas, on les exclut. Et on essaye de nous le passer de façon très cool, tu vois, le wokisme, bah, c'est une façon d'être moderne. Voilà, c'est du coup, tu n'es plus ringard. Aujourd'hui, si tu veux être moderne et à la mode, il faut être woke. Ah, c'est ça, vous me faites rigoler, bandit woke. La commissaire maltaise appelait notamment à éviter de présumer que tout le monde est chrétien, et donc à parler de fêtes de fin d'année ou de périodes de vacances, plutôt que Noël. Ou encore à éviter des prénoms comme Marie ou Jean. Ah putain, mais on n'a même plus le droit de s'appeler Marie ou Jean dans les communications de la commission pour préférer Malika et Giulio. Il n'y a pas des saints qui s'appellent Sainte Malika ou Saint Julio ? Si, il y a un saint, je suis désolé, Saint Rulio. Donc il ne faut pas utiliser, il faut même pas dire Rulio parce que c'est pas inclusif. Voilà. Si on cherche la petite bête, on peut, à ce moment-là, on interdit tout. On interdit tout. Même l'eau, pas le droit de boire des verres d'eau au Parlement européen parce que on utilise de l'eau bénite dans les églises. Ça, c'est pas inclusif. Voilà. Je ne sais plus. Bannissez juste le nom Saint. Je pense qu'on va créer un pays, ça va s'appeler l'Absurdistan. Et on va envoyer tous ces gens-là, s'ils veulent imposer ces nouvelles règles, qu'ils aillent dans ce nouveau pays et qu'ils fassent les règles, toutes les règles qu'ils veulent. Voilà. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais pas ici. Ça suffit. Il y a déjà trop de lois, de règles. On n'en rajoute pas, ça suffit. Folie d'atteindre ainsi la haine des racines qui ont fait l'Europe. Noël n'est pas que le prétexte des vacances d'hiver, c'est le jour où est né le monde dont nous héritons. Le début de notre ère, la référence à partir de laquelle nous comptons nos années, a poursuivi François-Xavier Bellamy au cours d'un débat organisé par le PPE spécialement sur la polémique, pourtant quelque peu éteinte depuis. Folie parce que nier ce qui nous relie, c'est détruire toute possibilité d'appartenir à une culture commune. Vous n'attaquez pas des symboles superflus, mais ce qui unit l'Europe, et vous ouvrez la voie à toutes les fractures de demain. Un enfant nous est né. Madame Dalli, nous n'avons pas besoin de sauver Noël. C'est Noël cette année encore qui nous sauvera autant que durera l'Europe. J'espère que Noël nous sauvera. Et il finit par Joyeux Noël. Il faut bien trouver un moyen de faire parler dans les chaumières. Il faut trouver un moyen d'exister politiquement. Et donc on va dire des conneries. Ils sont fous ces gens modernes. Ouais, ils sont fous ces Romains. Vous avez vu cette polémique à Nancy ? La polémique enfle après le discours de Saint-Nicolas sur le Covid-19. Alors là, on mélange de tout. Hein. On est dans le wokisme, les religions, Noël, tout ça, le Covid, enfin c'est l'apocalypse, c'est explosion nucléaire fois 1000. Donc après les huées place Stanislas à Nancy, c'est au tour des internautes de s'en prendre à la ville de Nancy et au discours de Saint-Nicolas portant sur le Covid-19. Donc là, on voit le maire, Mathieu Klein, maire de Nancy, aux côtés de Saint-Nicolas, au balcon de l'hôtel de ville de Nancy, samedi 4 décembre 2021. À l'avenir, dans votre volonté, vos talents et votre courage seront les plus puissants des moteurs pour avancer vers un monde plus doux. C'est du playback. Plus tolérant. Et pourquoi pas aussi pour décrocher la lune. En ces temps difficiles, nous devons protéger cet avenir. Et cela passe par la responsabilité de chacun. Ah. Vous aussi, les enfants, vous êtes concernés. Porter un masque, se laver les mains régulièrement, faire attention aux plus fragiles. Vous devez, vous aussi, comme vos parents,
respecter les gestes. Il commence à se faire huer. En restant prudent et en se vaccinant, nous pouvons continuer à nous retrouver, partager ensemble, profiter les uns des autres et envisager cet avenir sereinement. J'ai confiance en vous. Vous toutes et tous, petits ou grands, d'ailleurs. J'espère que vous allez profiter et que vous profiterez encore ces prochains jours de toutes les surprises préparées pour ces belles fêtes de Saint-Nicolas. Musicien, c'était à Nancy. Conteur, magicien, sportif, gourmand et rêveur. Quel merveilleux et généreux programme cette année. Gourmand et rêveur. Je suis touché par toute cette gaieté et ces couleurs. Elles font rayonner notre belle ville de Nancy. Et pourquoi ils l'ont hué? Parce qu'en fait, il rappelait aux enfants qu'il fallait qu'ils adoptent les gestes barrières et tout ça. Et surtout qu'il fallait qu'ils aillent se faire vacciner. Il a rien fait de mal. Non. Fondamentalement, il n'a rien fait de mal. Mais c'est. Moi, ça me dérange parce que. Alors, ça me dérange parce que par rapport à. Quelque part, je suis croyant, je suis d'obédience chrétienne. et ça me dérange que une icône religieuse comme ça, comme Saint-Nicolas, pour les fêtes de Noël, soit récupérée politiquement pour faire passer des messages politiques. Parce que faire l'appel à la vaccination pour le Covid, c'est... Enfin, on en a discuté en début de live, c'est clairement du message politique. On est bien d'accord que ça n'a rien de sanitaire. C'est le chaos total, parce que normalement, c'est une institution de la République. Normalement, en France, il y a la laïcité. Les mairies, les institutions, les structures publiques ne doivent pas montrer... De symboles religieux ou autres, sauf qu'en Lorraine c'est une région bien particulière qui échappe un petit peu à sa façon à la laïcité, au principe de laïcité, parce que historiquement, traditionnellement elle est très liée à tous ces rites religieux au Saint-Nicolas, tout ça, c'est toléré. Parce qu'en fait, il y a une forte tradition liée à l'époque où l'Alsace-Lorraine était intégrée, faisait partie de l'Allemagne. Et ce qui fait que le régime de cette région, de l'Est de la France, échappe plus ou moins au principe de laïcité qui est censé s'appliquer à toute la France. Donc en Lorraine, on a toujours ces traditions qui sont bien ancrées et elles sont tolérées, elles sont autorisées. Sauf que ça devient dérangeant quand on essaye de récupérer le personnage de Saint-Nicolas pour faire passer ses messages plutôt à vocation politique. Hein. Il peut dire « aimez-vous les uns les autres », tout ça, mais il n'a pas à faire passer des messages politiques. Donc là, c'est un mélange de tout qui devient un petit peu... on s'y perd, en fait, et ça devient dérangeant. Une fête gâchée, les internautes accusent en effet la ville de Nancy, mais aussi Saint-Nicolas, d'avoir gâché l'événement et d'être tombé dans la propagande. Non mais sérieux, fais coucou aux enfants, fais les rêver et basta, on lui demande rien d'autre, il n'y a pas un endroit ou un moment où on ne nous laisse pas tranquille. Ce monde est devenu tellement anxiogène, nos pauvres enfants, je suis un peu d'accord. La Zeno Naturelle qui nous dit « Pourquoi organiser une fête autour de Saint-Nicolas si c'est pour lui faire tenir un discours de Premier ministre ou de médecin de plateau ?» C'est honteux, depuis quand un Père Noël fait la promotion d'un traitement médical, quel qu'il soit ? À Gerbet, ils sont devenus fous et ont oublié leur place dans la société. Saint-Nicolas sponsorisé par Pfizer. Le seul moment où les enfants peuvent oublier un peu la rude réalité du quotidien, on leur resserre cette propagande sanitaire fondée sur la culpabilité. Eh oui, Saint-Nicolas est un ambassadeur pour les plus jeunes, il porte un message universel pour les plus jeunes, un message de la responsabilité du plaisir, message de la responsabilité, du plaisir de se retrouver et de préserver notre futur. Il est important qu'un personnage aussi emblématique, protecteur des Lorrains, puisse s'exprimer en mettant en perspective ce qu'est la Saint-Nicolas en 2021. Face aux huées, Mathieu Klein assure que le message était simple, de bon sens et bienveillant, mais également que la très grande majorité des habitants l'ont compris comme tel. Oui, bon, d'accord. Mais ça reste,
pour moi, je suis désolé, ça reste quand même très maladroit. Et qu'ils viennent pas taper à la porte Saint-Nicolas chez moi, parce que si c'est pour tenir ce genre de propos, il sera bien accueilli. Mais oui, je donne mon avis et puis c'est tout. Et puis, les gens qui sont pas d'accord ou à qui ça plaît pas, bah, ils ont qu'à aller regarder le stream. Voilà. Ou alors, il faudrait faire une chaîne Twitch inclusive. Ça serait intéressant d'avoir une chaîne Twitch inclusive. Une chaîne où, en fait, une chaîne inclusive, Twitch, c'est une chaîne où tu ne peux rien dire. C'est le silence total. Et d'ailleurs, on va la faire. On va faire une minute de chaîne inclusive. J'ai pour invité ce soir un être, une être non genré, en la présence de ce ver. Bonjour ver, comment vas-tu? Enfin bonjour, bonsoir, bon matin. Comment vas-tu? Comment vas-toi? J'espère que toi va bien. C'était Dos Geek sur la TV 42. On like, on partage, on s'abonne. Vous pouvez laisser des commentaires. Et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire.